If there is anything to inherit, hatred. Yo tout le monde, j'espère que vous avez la forme, nouvelle vidéo. Donc voilà, petite analyse des portails qui sont sortis. Donc on va aller voir ça. Donc c'est comment il s'appelle, Indra et puis je sais plus. Enfin bref, vous savez qui c'est. Donc voilà, analyse des deux personnages. Donc voilà, c'est problématique parce que du coup ils le sortent après Naruto, qui fait qu'on a déjà claqué, du moins pour ceux qui on avait besoin, comme moi, qui fait que c'est compliqué derrière. Mais bon, ils ont sorti ça, donc les personnages avec les cartes à avoir qui sont en vrai pas mal d'après ce que j'ai vu. Voilà, il y a quand même des bons, vous pouvez voir que ça restaure les LHP, les CP, c'est plutôt pas mal. Donc franchement, pas négligé, je pense que ça vaut le coup d'invoquer dessus. Moi personnellement j'ai fait une petite multi parce que voilà, je voulais essayer de choper des cartes avec un petit peu de chance pour comment dire, pour peut-être m'aider pour après améliorer le personnage pour faire l'événement là. Mais du coup voilà, on fera une vidéo invocation d'ici parce qu'on aura le temps. Je sais pas si je la ferai parce que je pense que je vais juste me concentrer du coup sur garder les gemmes parce que du coup ça va arriver, ça partira vers le 11-15, donc d'ici là ça va être l'anniversaire et tout, peut-être. Donc à mon avis ça va être compliqué, mais on verra, peut-être qu'on se fera une invocation. Mais pour l'instant du coup tornado, tout ça, la défense des shinobi, la confusion, voilà, franchement c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, franchement les sets sont vraiment pas mal. Là on peut voir, celui-là se rend invincible aussi pendant une courte durée et restaure les CP pendant un certain temps. Franchement ils sont excellents, franchement il n'y a rien à dire. C'est dommage que j'ai pas de Shinobi, mais franchement j'aurais invoqué à gogo pour les avoir. Donc franchement à faire, ne pas oublier qu'il y a ce setup là aussi qui reste jusqu'au 12-01, donc c'est pas mal, donc vous aurez de quoi faire. Donc et au setup 3 il y a une 4 étoiles garantie. Voilà, c'est Indra et Ashura, voilà, cherchez le mot. Donc voilà, à invoquer, personnellement ils sont bons, si vous voulez mon avis, voilà. Donc voilà, d'ailleurs je vais accepter ça. Donc voilà, si vous voulez invoquer, faites-le. C'est, si bien sûr vous avez pas, oui ça vaut le coup, parce qu'ils sont bons quand même, confusion, restore, ils ont vraiment des bons sets, donc ouais, ça vaut le coup, voilà. Puis en plus ils sont pas mal, ils sont classe. Donc voilà, si vous avez pas, si vous voulez invoquer, faites-les. Ou sinon vous pactez, enfin vous économisez pour les 4 ans. Voilà. Alors attendez. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a du coup le round-up mission qui est là pour eux, comme avec Kakashi et Obito. Donc j'ai déjà... ah non, c'est pas sur ce compte, j'ai déjà commencé. Mais voilà, il y a du coup le même principe, là c'est avec Obito, Kakashi, Indra et Ashura, plus le Madara Uchiwa qu'on a eu précédemment, qui ont le boost de points, voilà. Donc ça devrait le faire. Donc si vous voulez avoir plus de chance pour faire l'événement, vous pouvez avoir besoin d'invoquer dessus pour drop les cartes, pour faire les niveaux, les derniers, tout ça. Vous voyez que j'ai pas encore forme dessus, mais voilà, pour faire ce niveau là et les autres derniers niveaux, qui sont assez hard si vous n'avez pas un bon compte. Donc voilà. Et puis je crois que c'est tout. En vrai c'est pas mal. Et bien sûr on peut récupérer tout ça, je vais vous montrer. Bien sûr, voilà le même principe qu'Obito. Voilà les trucs pour monter l'arbre, tout ça, les accessoires à avoir. Donc moi je vais essayer de les avoir sur mon gros compte. Voilà mon gros compte, c'est celui qui va être le plus torché. Après sur ce compte je vais essayer aussi, hein, entre temps. Mais voilà. Du coup il y aura toujours ça à récupérer, qui ça va être cool, voilà, c'est toujours free. Et puis voilà, il y a quand même des tickets, tout ça, c'est le même principe, hein, de toute façon, donc c'est pas mal. Et les cartes aussi ici qu'on peut avoir, c'est vrai qu'on peut avoir, du coup ça que c'est cool. C'est des petites cartes que si par exemple t'as pas, tu peux acheter ça. Et je pense que je vais peut-être essayer de les acheter, parce que du coup j'aurai que dalle. Donc il y a moyen que j'achète de mon côté, pour, je sais pas, pour voir.
Donc je vais voir, bref, je vais me débrouiller, vous voyez que le shop c'est quasi pareil de toute façon. Donc, de mon avis, oui, ça vaut le coup. Si vous avez pas invoqué sur Naruto, si vous avez déjà Naruto, si vous avez assez de Shinobit pour après les 4 ans à invoquer. Sinon, si vous voulez, si vous n'avez pas besoin pour faire l'événement et pour la suite, économiser pour les 4 ans et puis voilà. Donc sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Voilà mon avis. Donc les personnages promets. Voilà. Donc maximum de pouces bleus, de commentaires et abonnez-vous surtout. Et je suis désolé pour l'écran. Je peux pas faire mieux. Il faudrait que je fasse que je mette sur le PC pour faire le montage. Mais vous savez très bien, enfin, je peux pas faire de montage sur le PC. Voilà, malheureusement. Mais sur téléphone, il n'y a pas vraiment d'appli gratuitement qui soit correcte sans avoir de logo à droite tout en bas pour faire le montage. Donc autant dire que c'est compliqué pour vous faire une vidéo avec l'écran qui soit correct du jeu. Donc on fait comme ça, ça passe crème, enfin crème façon de parler. Donc c'est tout. Allez, ciao bye Cimer.